Philippe Cassuto, vous enseignez l'hébreu et le sémitique à l'université d'Aix-Marseille. Vous venez de prendre la présidence de l'Académie des langues anciennes qui organise chaque année une université d'été en juillet à Digne. Alors, l'université 2013 se termine. Qu'est-ce qui s'annonce pour l'édition 2014 ? Alors, nous avons été sensibles aux remarques qui nous ont été faites par les académiciens et par l'équipe pédagogique. On va essayer, à titre expérimental, l'an prochain, d'avoir une formule plus légère où les cours n'auront lieu que le matin. Il est vraisemblable que ce soit sur la Bible en slavon pour tenter cette nouvelle formule, donc qui deviendrait pour nous une formule C, hein, avec la formule A, les cours entiers, formule B, les séminaires de fin d'après-midi, et cette formule C allégée qui permettra aux académiciens qui le souhaiteront de n'avoir cours que le matin et d'avoir l'après-midi de libre. Alors le fond qui reste de langue, qu'est-ce que c'est ? Alors, je dirais les incontournables, c'est l'hébreu et le grec, l'arabe et le latin. Et c'est vrai qu'on souhaiterait élargir à plus de langues l'ouverture sur plusieurs niveaux. Il y avait un petit souci qu'on a réglé cette année avec l'arabe qui, 2 ans de suite, n'a ouvert que 2 niveaux. Et là, en prenant une méthode tournante, c'est-à-dire l'enseignant qui faisait arabe 1 a fait arabe 2, celui qui faisait arabe 2 a fait arabe 3, et pareil pour l'hébreu, celui qui faisait hébreu 3, moi-même, j'ai pris le niveau 1, l'intention étant d'entraîner les académiciens que j'ai eus en niveau 1, en niveau 2, et qui me suivent après en niveau 3. Je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes universitaire, et on parle d'académie, d'université, mais finalement, est-ce que ce sont des cours, des enseignements qui s'adressent à tous ? Alors, ces enseignements sont ouverts à tous. Hein. Nous, on appelle ça à l'université la valorisation de nos recherches, et c'est faire partager à un public quand même cultivé, ou en tout cas très motivé, vers nos langues et vers nos recherches. Mais on trouve quand même des personnes d'un certain âge qui acceptent, je ne sais pas, 75, 80 ans, de redémarrer une langue nouvelle ? Il me semble que cette année, on a commencé la doyenne de 1925. Voilà, et il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est, je dirais, une partie du public. L'autre partie est constituée d'étudiants, en particulier en thèse, qui viennent se spécialiser sur telle ou telle langue parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité de l'apprendre. Donc finalement, c'est la volonté à la fois de rendre service pour ces étudiants-là et puis pour les autres de rendre des langues plus populaires, plus accessibles à tous. Voilà, et en plus, pédagogiquement, je pense personnellement que la mixité des publics apporte beaucoup. Je dirais ceux qui ont déjà eu toute une vie active ont beaucoup d'expérience à faire passer à nos petits jeunes qui sont en master ou en doctorat et pour qui finalement la vie active n'a pas encore complètement commencé.